bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 25. Comme d'habitude, un petit truc à boire et à manger, 4K 60 fps. On se plonge dans le noir, un casque ou des écouteurs, ça fait toujours plaisir. Et let's go, on avait une petite quête secondaire. Freya a donc rejoint la team, ça fait plaisir. Et on est parti, on va découvrir de nouvelles choses. Qu'est-ce que c'est? Bah écoutez... Cette serrure n'est pas comme les autres. Si tu veux l'ouvrir, il faut enchanter ton burin. Vas-y, hein, burine-moi la gueule. Je veux l'ouvrir, hein. Je savais même pas que j'avais un burin, les gars. Vas-y, grave la lettre. Ok. Ok, la lettre I. Suna. C'est une incantation. Suna. Les elfes du camp de Frayeur ont mentionné une porte similaire à Alfheim. Ainsi qu'un sanctuaire sacré des elfes blancs, au-delà des terres brûlées. Nous partons pour Alfheim. Le sanctuaire elfique. Service commencé. Alors attendez. D'accord, ça reste ici. Très bien. Ça reste totalement ici. En plus, c'est notre quête principale. Les miens. Nous en déciderons au point d'accès. Ce bateau nous y emmènera si nous réussissons à éliminer ce monde. Rappelle quoi faire. Ok. Attends. Ok. Allez. Quoi? Je peux te faire. Ok. Un pont est tombé dans l'eau. Il y a quelque chose dessus qui m'est inconnu. D'accord. La voie est libre. Attends, tu fais la meuf, mais ça t'était inconnu encore tout à l'heure. Allez, viens, Freya. Tu nous racontes ta vie, là, ça m'énerve déjà. Alors, c'est vrai? Tyr est en vie? Eh bien, il tient plus de l'épave que du dieu. Il dort au fond d'un placard, mais il se met. Comment l'avez-vous trouvé? En gros, grâce à Atreus, qui est parvenu à accéder aux prophéties que les géants réservaient à leur espèce. Nous ne l'avons appris nous-mêmes qu'après la visite de Thor et Odin. Chez vous? La maison est-elle encore debout? À peine. Mais ce déferlement de violence n'était qu'une distraction pour permettre à Odin de s'entretenir avec Atreus. Ton fils s'est retrouvé seul avec Odin? Sais-tu de quoi ils ont parlé? Oui. Odin l'aurait invité à Asgard pour l'aider à trouver ses réponses. Réponses pour lesquelles il se rue vers le destin. C'est troublant. Ok. On continue. J'aime pas ça, eh bien, on s'éloigne de la quête. Si vous êtes prêt à lui parler, l'accès mystique se... Mais j'aime vraiment pas ça, on s'éloigne vraiment de la quête. Devant. Sinon, vous pouvez m'aider à régler quelques affaires le long de la rivière. Bah oui. Ou nous pouvons aller voir ce sanctuaire elfique dans le désert d'Alpha. Débarrassons-nous de ce rondin si nous voulons continuer à explorer la rivière. Ok. Je veux explorer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Mais c'est clairement l'œuvre des géants. Deux loups sont représentés ici. Bien. Nous pouvons explorer la rivière et réparer de vieux torts avec un peu de chance. Ah, let's go! On va avoir des petits trucs, les gars! Let's go, quête secondaire. Ça va nous prendre, je pense, un bon épisode. Mais c'est parti! Ah non, ça serait dommage de partir alors qu'on a une quête juste à côté. On n'est pas des sauvages. Oh. Il y a des trucs vraiment partout en plus. Tiens, récupère-moi cette petite gougoutte. Elle a levé sa tête, elle fait c'est une belle goutte. Boire la rosée de l'arbre a des bienfaits durables. Défense augmentée de 2 de façon permanente. Quelles affaires veux-tu régler? J'ai oublié quelque chose. Près des chutes. Ton lieu de mariage? Pourquoi voudrais-tu retourner là-bas? Pour me défaire des liens de mon mariage. Et d'Asgard.
Tu as rompu ces liens il y a bien longtemps. Pas complètement. Pas assez. Guide-nous. La paix disparue de Freya. Putain, ça s'arrête plus. On a 14 000 quêtes, je suis mort. Atteint de l'entrée de l'hôtel de mariage. Vas-y, suivre. Quel merdier. On va tous faire et on verra bien. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah! Les miens peuplaient jadis les abords de cette rivière. Elle voyait défiler des milliers de pèlerins en route vers le grand temple. Oh là là. Jusqu'à ce que les As arrivent. On va peut-être prendre deux épisodes, hein. Et voilà ce qu'il en reste. Le jardin d'Astrid. La nature l'a repris. Ok. Il est superbe. Attention à ses cornes. Allez, let's go. Comme ça va récupérer notre vie. Derrière toi. Regarde. Allez, let's go. Hop. Très patate de cow-boy. Hop. Nous dans la trachée. On ferme sa gueule. Écartage de mâchoire. Je sais même plus quoi dire tellement c'est des massacres sans fin. Et attention, il explose. Fireball. Oh, il y en a combien? Sur ta droite. La vache. La vache, quelle galère. Ça passera. Oh là là. Ok. C'est trop dur. Let's go. Fireball. Oh, on a eu chaud. Allez, merci ma Freya. Ok, c'est parti. Allez, cassage de gueule. Bam, patate. Comme tout à l'heure. Tu connais la musique. Récompense là les gars, non? Les créatures n'ont pas toujours été aussi voraces. C'est tout. Un petit peu déçu. Regarde, la porte est maintenue par un contrepoids. Si on la baisse, la porte s'ouvrira. Mon frère, une idée m'est venue. Et si nous adoptions une approche furtive lors de notre prochain combat? Non. Ok, sous l'arc-en-ciel, carte au trésor. Alors, Mes flèches sigillaires n'auront aucun effet. Ok. Vraie question, ça suffit ça?
Non. Forcément un bail. C'est loin, hein. Est-ce que je peux brain le jeu? Jamais de la vie. Impossible. Ok. Là, il y a un vrai bail, c'est ça en fait qui m'embête un peu. On arrête. Là, il y a un vrai bail. Mais alors, comment ça? Ah, c'est pour jeter la hache ici. Il y a des vrais bails ici, hein. Alors attendez. Ok. Tout n'est que désolation. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Esprit. Freya, vous êtes revenue? Astrid, que t'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à ton jardin? Les Eneriar. L'œuvre de ma vie anéantie. Voyez ce qu'est devenu l'hommage que je vous rendais. Je suis désolée, ma reine. Tu ne me dois aucune excuse, ma vieille amie. J'avais juré de prendre soin de ce jardin jusqu'à votre retour. Vivre à jamais dans sa putrescence est un juste châtiment. Je reviendrai, Astrid. Kratos, nous devons purifier ce jardin de tout poison. Pourquoi ? La terre est à l'image de ceux qui la cultivent. Tant que celle-ci sera meurtrie, son âme le sera aussi. Nous devons détruire les totems. Ils empoisonnent le jardin d'Astrid. Ouais, j'ai bien compris, mais comment on les détruit, c'est fucking cool. Juste comme ça? Tu vois ces explosifs? Les déclencher pourrait nous aider. Peut-être pourrais-tu la voir depuis un autre angle. Mon âme. Ces explosifs? On parle pas de la même chose. Tu vois ces explosifs? On voit pas d'explosifs, mon bubiche, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Toujours très impressionnant. Ok. Let's go. Il va me falloir un petit peu de temps pour comprendre un peu tout ce qui se passe ici. Une pièce d'armure portant la marque de Lunda. Dommage qu'elle soit endommagée. C'est du bel ouvrage. Pourquoi la laisser? Tu te méfies d'elle, mon frère? S'il était si important, elle n'aurait jamais abandonné cette orbe. Hein? Peut-être. Ok. Il est fait mention d'un sort qui endort les trolls et d'une relique magique capable de l'annuler. L'art réel. J'ai failli lui éclater la gueule. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Il va falloir que je comprenne cette histoire d'explosifs, tout ça. Prenons un peu de hauteur. Sais-tu s'il y a un moyen d'entrer, la position? Très bien, ça je prends. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'a-t-il décrit? Il y a un moyen effectivement de rentrer. Pff, il se passe trop de choses, les gars. La vie renaît dans le jardin. Tant mieux. D'accord. Ouais. Ok, on a une quête par arrêt, incroyable, trop stylé. Sugoi même. Ah bah là, je suis désolé, on va passer 2-3 épisodes de quête, les amis. Mais bon, c'est Noël, c'est l'esprit de Noël. Et on aime bien l'esprit de Noël.
Ok, donc c'est ça qui parlait d'explosif. Très bien. Donc dans chaque bordel, je les vois là. Un autre. Super. Le jardin souffre toujours. Il doit rester du poison quelque part. Et là. Voilà! Let's go! Une quête de fête, c'est beau ça! C'est terminé. Retournons auprès d'Astrid. Astrid! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ton jardin pousse à nouveau. Freya, comment avez-vous? Tout va bien, Astrid. Il est temps de tourner la page. Merci, déesse. Je vous aimerai toujours. Moi aussi. Superbe. Tu as fait preuve d'une grande bonté. Ce n'est que temporaire. Le jardin mourra à nouveau. Toutes les choses... Alors, avant de s'énerver, on va s'équiper. Ok. Meurs un jour. Ce n'est pas une raison pour les abandonner. Superbe. Là, il y a de quoi monter. Et là, il y a notre petit bateau. Même si j'ai pas souvenir m'être garé là. Hein. Alors, attendez. Il y a autre chose là-haut. C'est gigantesque, hein. C'est gigantesque ici. T'as trouvé quoi, Bichette? Ok. Freya, ton frère a dit quelque chose. Les As l'ont brûlé. Oui. Nous n'étions pas encore en guerre, mais les relations entre les Vannes et les As étaient déjà hostiles. Freya s'était persuadé qu'il pourrait améliorer nos relations en partageant avec eux notre magie. Des techniques vannes pour garantir des récoltes abondantes et nourrir leur peuple tout entier. Pour le remercier, ils lui ont mis le feu. C'est vrai. Les As étaient trop impatients et indisciplinés pour les subtilités de la magie des vannes. Ah, mais c'est assez pour le moment. Ok. Alors ça, je prends... Cadeau de fête de mon peuple. Un gâchis de son talent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh non, oh non. Oh, je connais que bien trop. Je connais que bien trop. C'est pas tentable, on est d'accord, hein. J'ai pas de rage, j'ai rien. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît extrêmement compliqué. Par contre, ça, on peut faire ça. On peut faire ça. Et on peut faire ça. Incroyable. Parfait. Tu devrais aussi pouvoir briser la chaîne d'ici, non? Ok. Là, on va y arriver. Quoi? Je peux faire ça. La porte est ouverte. On peut faire demi-tour et entrer. Non mais ça... Ça c'est une Valkyrie ça. Hein. Let's go. Mon gars! Oh non, je rigole! Allez, salut! Vous êtes beaucoup trop fort! Elle m'a mis un coup, elle m'a cassé la gueule! Wouh! C'était une blague, les gars! Tranquille! Plus jamais. Ok. Oh non. Attention! Lève les yeux! Oh, on débarque! Attends. Ok, bah je voulais l'achever mais j'ai pas pu. Superbe. Très bien. Hop, petite cascade, ça c'est pour le spectacle. Let's go. Bon, qu'est-ce que c'est? Une corne, une pomme, une corde paumée. Un morceau de l'armure brisée permet d'augmenter le nombre d'enchantements que l'amulette peut accueillir. Ok. Et c'est bizarre, hein, je crois qu'on pouvait passer par en haut, non? Ah
droite, mon frère. Bon, ça dégage. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Bon, on se casse. Je crois qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Let's go pour la suite de notre aventure. Ok. On a fait les portes. Ouais, on a quasi tout fait. Ok, il y a un oiseau de Odin. Par où on peut l'avoir, ce petit... Ah, par là-haut. Superbe, ça. Très bien. Ok. Là, il y a de quoi atterrir. Oh, Sugoi. Il y a des trucs de foufou furieux, là. Oh, Sugoi. À gauche, à droite, il y en a partout. On va prendre celui-ci d'abord. Oh, celui-ci d'abord. Ok. Ce mystique a été ajouté à la carte. Eh, hey, mais c'est des bouts de mon armure. Ah, pour toi. Qu'as-tu Let's appris, go, mon frère. Avant, j'aimerais que tu retrouves mon orbe. Je peux te faire de nouveaux trucs. Ok. Je crois que ça, c'est bien. Ça. Objet spécial. Spécial. Attends, quoi? Le balèze. Ah, mais non, mais c'est ça que je veux. Pierre de résurrection supérieure, on n'est pas des salopes, hein. Ok. Très bien. Et pour Dame Freya? Des restes de bêtes. Quasi tout est améliorable. On améliore ça, on n'est pas des rats. Hein. Tu as fait ton choix. Ok. Enchantement. Ah mince. Bah, attends, on peut tout faire. On peut tout faire. Ok. Allez. On a beaucoup d'argent, faut l'utiliser, les amis. C'est fait pour. Eh ben, quand tu veux. Améliorable. Ça, je veux. Pas qu'un peu, mon neveu. Let's go. Je peux avoir du niveau 5. Mais je peux aussi avoir ça. Ça que mieux, littéralement, dans tous les sens du terme. Attends, c'est quoi, je le fabrique, mais je le mets pas, ok? Parfait. Il me faut les protections d'avant-bras. De Linda. Et malheureusement, il manque le brassard brisé. Et je pourrais l'avoir, très bien. Et là, il me manque les cuirasses. Ça va être incroyable la tenue, les gars. Oh là là! La tenue va être folle. Attends, je crois qu'il y avait autre chose. Ah, alors attendez. Relique, c'est ça? Amulette. Ah, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on a là? Ce cimier, c'est le mien. Alors, ça vient, cette orbe? Et je peux aller voir les yeux d'Odin, il se passe trop de choses, le chat! C'est terrible. Attends. Ça, c'est fait. Ah, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Trop de choses folles. Trop de choses folles.
D'accord, là il y a un bail. Je suppose que. C'est quoi, on va essayer au hasard. Allez, pour le fun, je dirais que c'est celui-ci. Ok, on bouge. On va aller littéralement en face et là où doit y avoir le coffre de ce merdier. Alors. Yo les gars, ça va ou quoi? Ok, on voit là. Regardez le coffre là-haut qui est exceptionnel. Ça, ça va nous régaler. C'est fou tout ce qui se passe, les amis. Bien joué. Attention, dans les airs! Pour ça. Ok. Mets ton gauche. Non. Fireball. Quoi? Let's go. J'en rachèterai un. Joli con, mon frère. Allez, dégage. Allez, dehors. Ok. C'était le merdier, hein. Excusez-moi du peu, mon frère. Excusez-moi, je sors de la douche. C'est une explosion totalement atomique. Ok, ça on prend. Ça, y a rien à faire. C'est le truc de Freya. Encore? Mais qu'est-ce que c'est? Je suis morte. Oui. Et vous allez m'aider. Ok. Bien sûr, Gunny. Pas trop le choix. Mais que pouvons-nous faire? Lorsque les Eneria vont attaquer, il nous fallait riposter. J'ai proposé d'utiliser la magie sacrée. Vous étiez désespéré, je le comprends, mais c'était stupide. Assurément, j'ai été tué avant que mon esprit ne soit corrompu. Ils n'ont pas eu cette chance. Vous devez les libérer. Bien sûr. La magie séisse est okay. Terriblement... Ouvre l'œil. Dégage. F, R et une sorte de drapeau. F, R et une sorte de drapeau. Très bien. Eh ben écoutez, on va le faire. Alors attendez, je me demande déjà... comment grimper là-haut. On ne peut pas. Pas avec ces ronces dans le passage. Les âmes de mes amis sont toujours corrompues. Attends, tais-toi, je t'en supplie. Rendez-leur la liberté en les tuant. Je ne crois pas que nous puissions l'atteindre d'ici. Comment faire? Ah d'accord, ok, j'ai peut-être compris. Attends. Oh là là. C'est une sacrée énigme qu'on a là. Énigme de catégorie 8. Et là on a quelque chose aussi. Ok. Bah écoutez, on va faire cette zone lors de notre prochain épisode, je pense. Mais en tout cas là j'ai pas envie de quitter. J'ai vraiment envie qu'on détruise tout. Parce que ça promet d'être assez exceptionnel tout ce qui va se passer là. Déjà on va passer par ici. Let's go. Ça on peut casser. Voilà. Un petit bouclier des familles. Petit coffre. Superbe. Ok. On va passer par là. Ah yes, d'accord. Donc ça. 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 Et ben voilà. Je crois bien que ça a marché. On aura bien avancé, qu'en pensez-vous? Ça on casse. Là il y a un truc que je trouve bizarre, si je puis me permettre. R, F et P.
RFP. Je vois pas où ils sont tous. Les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre folle aventure. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt tout le monde. Wouh! Bye bye! On va s'arrêter là.